Bonjour à tous, ici Solange Genet, experte en crudivorisme depuis 2008. Aujourd'hui, je vais expérimenter pour la première fois une purge à l'huile de ricin. Et donc, je vais vous montrer mes réactions un petit peu à chaud. Donc voilà, c'est parti, je vais vous expliquer tout ce que je vais faire. Petite précision, je ne suis pas chez moi, je suis chez mon copain qui est en travaux chez lui, donc voilà, le décor, faites pas attention au décor qui n'est pas forcément tip top, parce que si moi je commence à prendre compte du décor pour faire mes vidéos, là, et de la luminosité, ça va pas être, je ferai jamais la vidéo, mais peut-être que je peux ouvrir un peu plus les rideaux. Donc, alors, pourquoi une purge à l'huile de ricin? Bon, je vais peut-être faire une autre vidéo où j'explique les raisons, vraiment. Mais en gros, je ressens le besoin de me nettoyer plus de me nettoyer un peu profondément. J'ai une amie qui pratique régulièrement avec les lavements aussi. Et donc, il m'a conseillé, qui m'a expliqué comment on faisait. Voilà, moi, je suis pas du genre. Enfin, ça dépend des circonstances, mais je suis plutôt du genre à passer à l'action et pas me poser 36 000 questions, à faire 36 000 recherches. Du moment que j'ai ce qu'il me faut comme info et. Voilà, j'écoute pas mal mon intuition. Donc, huile de ricin. 3 cuillères, m'a dit, pour commencer, 3 cuillères à soupe d'huile de ricin. Et après, on peut le faire une fois par semaine, je crois, d'après ce que j'ai compris, en cure ou voilà, régulièrement pour se nettoyer, pour se purger. Donc entre 3 et 7 cuillères à soupe. Et donc le mélanger avec prendre dans un jus d'orange ou jus de pamplemousse ou jus de pomme. Donc moi je me suis préparé, ou plutôt mon chéri m'a préparé un jus d'orange. Voilà. Et donc il n'y a plus qu'à mélanger tout ça et à boire. Et voilà, je crains un peu. À mon avis, ça serait peut-être pas terrible. Et donc l'idée après c'est de plus boire et manger. Déjà, le prendre à jeun, là, il est 10 h, il doit être autour de 10 h 30. J'ai un peu tardé à commencer à le prendre parce que, en fait, il fallait que j'aille acheter des légumes lacto-fermentés et que le magasin bio ouvrait qu'à 10 h. Là, j'avais oublié mes légumes chez moi et du coup, je suis allée à un magasin à côté, mais qui ouvrait un peu tard. Donc voilà, j'ai acheté mes légumes lacto-fermentés pour manger après, une fois que ma purge est faite. J'ai pris donc. Il y avait plusieurs types de légumes, mais j'ai pris voilà, chou blanc, carottes. Chez moi, j'avais pris betterave et mélange de légumes. Donc, je vous montre tout ça. Alors, l'huile de ricin, c'est une huile qui est assez épaisse. Je voulais donc. Pas trop comment ouais, des cuillères à soupe. J'ai peur d'en mettre trop. J'ai peur d'en mettre trop pour une première fois. Ça, j'ai peur que ça soit dégueulasse. Donc moi, j'avais vu des vidéos de Thierry de Casasnova il y a plusieurs années qui disait que bon, il conseillait plutôt en externe l'huile de ricin. Et il trouvait que en interne, ça pouvait être assez un peu violent. Voilà, j'étais restée là-dessus, mais voilà, j'ai écouté le témoignage de mon ami, qui apparemment ça lui fait voilà, ressent des effets bénéfiques. Et je crois j'avais entendu un couple, témoignage d'un couple aussi qui avait expérimenté. Non, c'était pas. Non, c'était la. Oui, je sais que non, c'était autre chose. Ils avaient expérimenté avec le jus de pomme là. Mince, j'ai oublié. La cure du foie avec le jus de pomme aussi. Qui. Bref, ça c'est un autre sujet. Bon, voilà, j'ai mes 3 cuillères à soupe d'huile de ricin. Tac. J'essaie de filmer, j'ai rien pour tenir mon téléphone, je le tiens entre mes jambes. Et du jus d'orange. Oh my god, oh my god. Bon, ça va aller. Je sens l'odeur. C'est. Bon, attention, j'ai un peu le nez bouché. Non, c'est revenu, j'ai un peu moins le nez bouché, mais. Bon, l'odeur ça va, ça passe, ça sent pas grand chose, mais petite odeur végétale. C'est des graines, le ricin.
Non, ça va. Ah, ça va, ça passe. Franchement, je m'attendais à pire. Franchement, ça passe. Voilà. Bon, ben maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ça ressorte. Et donc, ça va prendre. Ça peut prendre plusieurs heures. 2 heures comme la journée. Et donc, rien boire et manger jusqu'à ce que ça sorte. Et le repas. Une fois que c'est sorti, ce qu'on mange ensuite, c'est des légumes lacto-fermentés, apparemment uniquement des légumes lacto-fermentés. Donc voilà, j'ai mes petits légumes de côté qui sont prêts à être mangés. Et voilà, je ne vais pas sortir, je reste ici tranquillou, au calme, pour faire ma purge et être à côté des toilettes. Midi, ça fait environ 30 minutes ou un peu plus, peut-être 3 quarts d'heure. Je ne m'étais pas trop rendu compte, mais j'avais des. J'ai de l'air qui ressort un peu de temps en temps. Voilà, je fais des petits roux. Et de l'air qui ressort par en bas, un petit peu légèrement aussi. Un petit peu de gaz qui ressort. Sinon, voilà, avec un léger. Quand ça ressort là, j'ai un très léger goût de l'huile de ricin. Sinon, rien de particulier, tout va bien, j'ai pas de douleur, rien, tout va bien. Midi 10, je commence à me sentir un peu très légèrement. Nauséeuse. Je me sens comme si il y avait quelque chose que j'avais pas très bien digéré. Mais voilà, désagrément, je dirais 2, même pas 2 sur 10. Voilà, pour l'instant ça va. 13h30, ça fait 3 heures que j'ai pris mon petit mélange huile de ricin et jus d'orange. Là, j'ai envie de faire la sieste et sinon, j'ai toujours cette très légère sensation de nausée. Voilà. 16h55, je viens de sortir des toilettes et c'est la quatrième fois cet après-midi. Donc, une première fois vers 14h30, j'étais en train de m'endormir, de dormir plus ou moins pendant voilà, une sieste. Tout d'un coup, je me suis réveillée, j'avais la gorge qui chatouillait parce qu'en fait, en ce moment, je suis un peu prise, un peu grippée. Mais voilà, j'ai mangé la semaine dernière des trucs qui font que j'élimine et que ça m'irrite la gorge. Donc ouais, je me réveille, j'avais la gorge qui j'avais besoin de tousser. Et puis j'ai pensé aller aux toilettes, mais je ressentais pas forcément l'envie. Mais dans ma tête, je me suis dit, il faut que j'aille aux toilettes. Et dans ma tête, je me suis dit, en fait, j'avais l'impression que c'était pour faire pipi. Et finalement, bah, en me levant, j'ai senti que bah, ça arrivait plutôt la grosse commission. Et donc, voilà, j'ai éliminé au niveau. C'était plutôt. Les matières étaient plutôt dures. Enfin, c'était plusieurs morceaux, mais c'était plutôt dur. Et je suis restée aux toilettes au moins 10 minutes. Donc une première fois, une première élimination qui était plutôt dure. Ensuite, il y a eu une deuxième élimination qui était un peu plus liquide et une troisième ensuite. Voilà, je suis retournée me coucher. Ensuite, voilà, un peu plus tard dans l'après-midi, donc vers 16h, j'y suis retournée. Voilà, plutôt liquide. Et ensuite vers 16h20 et maintenant 16h50. Et donc là, plus j'y vais, plus c'est liquide et avec des substances blanchâtres. Donc en fait, ça correspond à du mucus qui est éliminé. Sinon, au niveau énergie, j'ai l'impression que ça change pas grand-chose à l'énergie que j'avais. Peut-être que ça m'a fatigué un peu plus cet après-midi-là, que j'ai reçu senti un petit coup de fatigue cet après-midi. Pas de douleur. Pas de douleur du tout. Je sens des fois des petits glouglous dans le ventre, dans les intestins, je sens que ça bouge. Et particulièrement, moi, peut-être plus avant que ça sorte. Et sensation de nausée, c'est variable entre en moyenne 1 sur 10.
Voilà. Donc là, je sais pas si j'ai fini ou pas. Pour l'instant, je commence à avoir faim tout doucement, tranquillement, mais ça va, là, je suis occupée, je fais des trucs. Donc, je pense pas à ma faim, je pense pas si mon élimination est finie ou pas. Je fais ce que j'ai à faire et puis je vais voir si ça continue à éliminer ou pas. Désolée, la luminosité est pas terrible. C'est le soir et la lumière est pas terrible ici. Donc là, il est 20h20 passé. Donc je suis allée une dernière fois aux toilettes à 19h, vers 19h30. Et à 20h, voilà, j'avais de plus en plus faim là dans cette fin de journée. Et à 20h, j'ai commencé à manger mes légumes lactofermentés. Alors j'ai senti en premier, j'ai ouvert la boîte de carottes lactofermentées. Dès que j'ai senti l'odeur, j'ai commencé à saliver. Et pareil pour la boîte de choux blanc lactofermenté. Et je mange petit à petit. Je décide pas d'avance la quantité que je vais manger. Et voilà, tant que j'ai envie de manger, je mange. Et là, j'ai mangé bah, la moitié du pot. Hein. Un pot de 340 grammes, point net et goûté. Et là, je vais continuer à manger. Sinon, je suis peut-être un peu plus fatiguée aujourd'hui. Là, je me sens un peu KO. J'aimerais bien me coucher. Alors, je ne sais pas si c'est lié à cette cure, cette purge, ou si c'est parce que je suis encore en train d'éliminer déjà les choses que j'ai mangées la semaine dernière. Et sinon, voilà, pas spécialement mal au ventre. Je n'ai plus la nausée. Voilà. 20h35. On ne voit pas trop. J'ai fini mon bocal de choux lactofermenté. h 40, on est de passage rapidement chez moi. Alors, j'ai passé la journée à partir du moment où j'ai commencé ma purge, où j'étais quasiment jamais debout, donc j'étais un peu allongée, assise, pas trop debout, quasiment pas debout. Et là, du coup, pour venir chez moi, on a marché un tout petit peu, voilà, de la voiture à ici. Et je me sentais super bien, super légère, je trottais, c'était trop bien. Et là, au bout de quelques minutes, j'étais en train de m'activer un peu et là, je commence à être très fatiguée. Là, j'ai envie de rien faire et de m'écrouler. Je peux tenir encore, mais je sens que je suis très fatiguée. Chez moi, j'ai sorti les deux bocaux et j'ai pas une vraie faim, je dirais, mais j'ai super envie de manger, quoi. J'ai la dalle. Mais pas. Je sens que j'ai pas vraiment faim, vraiment, mon ventre crie pas famine, mais je sais pas. C'est bizarre. Je sais pas comment expliquer. Et donc j'ai ouvert mes deux bocaux de la betterave et un mélange, cocktail de légumes. Alors j'ai senti la betterave, ça m'a donné ça m'a fait saliver énormément. Et l'autre, ça sentait mauvais. Donc là je vais manger encore de la betterave. Un peu trop acide, acidulé pour moi. Mais ça va. Je pense que je vais en manger un petit peu. Ouais, finalement, j'ai pris qu'une deuxième bouchée. C'est trop acide pour moi. 21h50, je viens de m'écrouler dans le lit. 5 minutes, je suis HS. Et là, il faut que je passe la serpillière et que je descende quelques affaires à la voiture, que je charge quelques trucs. Dur, dur, et là, va falloir, avec la voiture, repartir chez mon chéri à 10 minutes. Heureusement, c'est que 10 minutes, mais moins de 10 minutes même. Mais j'ai l'impression que ça va être super long. J'ai envie de dormir. Après, je me sens bien émotionnellement, tout ça dans ma tête, ça va, hein, mais mon corps, là. Ouh, ouais, je me sens légère, tout ça, je me sens bien, mais j'ai envie de dormir. Il est 13h30, je suis arrivée chez le père de mes enfants, enfin un peu plus tôt. J'avais prévu aujourd'hui de partir vers 9h30 de chez mon chéri et d'aller donner un cours de particulier de danse sur Toulouse et après partir vers 11h de Toulouse.
pour aller chez le père de mes enfants, arriver vers midi. Et finalement, ce matin, j'étais trop KO. J'arrivais pas à sortir du lit, j'avais pas aucune motivation. J'avais pas les idées noires. Mais où je me sentais pas spécialement très mal, mais c'est comme si j'étais dans une sorte de neutralité un peu et où j'avais envie de rien faire tout simplement, pas de motivation, pas envie de me lever, pas vraiment d'énergie. Donc j'ai annulé mon cours, enfin je l'ai reporté à demain et je suis restée un moment au lit. Ouais. Et finalement, voilà, je suis arrivée vers midi 45. Ouais, j'ai eu encore des envies ce matin de manger des choses cuites. Mon ami m'a dit qu'il faudrait que je refasse une purge aujourd'hui, mais je trouve ça quand même. C'est pas douloureux, tout ça, c'est facile comme purge quand même. Mais mine de rien, voilà, je sens que c'est quand même, ça prend quand même de l'énergie au corps. C'est quand même quelque chose. Et en plus, ça prend un peu, ça monopolise un peu la journée où on peut pas sortir. Donc là, si j'avais fait une purge, bah, j'aurais pas pu. Là, les filles veulent sortir un peu. Puis même, j'aurais pas. Soit j'aurais dû commencer la purge là à midi 45, soit j'aurais pas pu faire le voyage pour venir ici. Là, il y a 50 minutes de route. Donc bon, je trouve que quand on fait des purges, tout ça, si vraiment on veut arriver à nettoyer le corps pour éliminer les bactéries qui donnent des envies de manger des trucs du cuit, tout ça, il faut le faire régulièrement. Dès qu'on a des envies, il faut refaire la purge. Donc je trouve ça un peu long et contraignant en tout cas par rapport à là où j'en suis aujourd'hui parce que. Voilà, je suis un peu fatiguée en ce moment dans ma vie. J'ai beaucoup donné pour les enfants, j'ai beaucoup mis d'énergie aussi à essayer de développer mes activités en même temps. Et donc voilà, je suis un peu fatiguée et maintenant c'est vrai que je suis pas trop motivée pour. Comment dire? Je garde la motivation au fond de moi, mais pas. Comment dire? Pas. Pas complètement à fond en fait. Je vise plus essayer de faire les choses sur le long terme, petit à petit, tranquillement, en respectant mon rythme, mes besoins, en donnant pas trop d'un coup. Et je trouve ça difficile de lutter contre ces envies. C'est quelque chose de très fort, voilà, c'est une véritable addiction en fait, hein, Donc je sais pas, je vais continuer à essayer de vivre un peu au jour le. Et puis d'après ce que j'ai expérimenté depuis toutes ces années, je pense que ce qui aide le plus en fait, si on focus trop sur l'alimentation, comment dire, ça marche pas trop et on devient trop stressé ou trop mal. Alors que il me semble que ça fonctionne mieux, on arrive mieux à cheminer si on se concentre sur d'autres aspects de notre vie, notamment sur le côté émotionnel, et essayer de prendre à. Mine de rien, cette petite purge, bon, je pense que c'était quand même positif parce que ça m'aide à me remettre un peu plus dans un chemin un peu plus. Meilleur entre guillemets un chemin plus sain. Donc voilà, c'est une autre expérience sur dans mon cheminement sur l'alimentation, une meilleure santé et puis le bonheur en général, mon cheminement en général. Donc voilà, je vais peut-être faire une autre vidéo un peu à part pour expliquer un peu plus pourquoi j'ai voulu faire cette purge, même si j'en ai parlé un petit peu ici dans cette vidéo. Et là, je voulais dire que aussi j'étais pas mal crevée. Donc c'est vrai que cette purge, je sens que ça fatigue beaucoup. Ça fatigue quand même. C'est peut-être aussi le fait d'avoir jeûné aussi toute la journée hier.
Je sens que mon corps, j'ai plus trop d'énergie dans les muscles et que l'énergie est certainement allée dans la détoxination pour nettoyer le corps, dans le nettoyage de mon corps. Donc j'ai vraiment pas envie de refaire d'autres purges là. C'est quand même quelque chose. Voilà, c'est pas gravissime, rien de grave, hein, mais je me sens pas en état de pouvoir vivre ça, surtout que je dois m'occuper des enfants aussi. Donc voilà, je fais de mon mieux et je vous partage mon expérience. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao! Balançoire.